Bonjour, toujours en direct du GovTech Lounge d'acteurs publics chez Vivatech. Alors on a eu un très beau plateau avec la CNAV et CGI et j'ai le plaisir d'accueillir Madame Charline Simon, vice-présidente du secteur public de CGI. On voudrait en savoir un peu plus donc sur ce chatbot que vous avez développé pour la CNAV. Alors il faut savoir, c'est que notre chatbot est une solution développée par CGI sur la base de briques open source. On a intégré des outils de compréhension du langage naturel, également de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et notre solution n'est pas uniquement orientée vers l'usager qui utilise le chatbot, mais également vers les agents qui supervisent le chatbot. Donc on a fait très attention à mettre en place une interface simple et facile d'utilisation pour l'apprentissage du chatbot. Est-ce qu'il y a un sujet de sécurité, j'imagine, qui doit être majeur C'est un sujet important. Aujourd'hui, les usagers, quand ils échangent avec le chatbot, ils ont l'impression de travailler, d'échanger avec un humain. Donc, ils transmettent des informations très personnelles, par exemple des montants de pension de retraite. Et donc, nous devons faire très attention à la confidentialité et le respect du RGPD. Et dernière question, sur les sources de données, en fait, des systèmes remettants pour alimenter en fait, les réponses du chatbot. On a un sujet d'interopérabilité, j'imagine, parce qu'il y a plein de systèmes différents à la CNAV, non ? Oui, bien sûr. Donc, dans un premier temps, il faut initialiser le chatbot. On s'est basé sur une base de connaissances issue des échanges mails entre les usagers et la CNAV. Et ensuite, on va se connecter avec leur SI métier de manière à pouvoir leur apporter des réponses personnalisées, comme leur attestation de paiement, par exemple. Madame Charline Simon, merci beaucoup.